Hey, tu veux me défier? Je vais te frapper. Tu
Calme-toi, non. Blade, calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Blade, laisse ça tomber. Calme-toi, mec. Calme-toi. Hein? Blade! Tu vas voir. Blade! Blade, arrête, arrête. Tu vas voir. Calme-toi. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Hey. Tu vas voir ce que je vais te faire. Mec, c'est bon, ça suffit. Reste là, ne bouge pas. Hey, Blade! Bobby Lanchi. Valofsky. Bobby Lanchi. Valofsky. Ah, Valofsky. Oh, mon pote. Alors, quoi de neuf, mon pote? La nuit dernière, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. As-tu ramené une de ces meufs d'hier soir? Mais tu me connais. Je confirme. Cette meuf était une Versace. Gucci. Non, c'était une Coco Chanel. Oh, un très bon goût. Tu me connais bien, frère. Tu sais comment je fonctionnais. Hey, elle est encore là. Bien sûr. Mon Dieu. Ok. Dans ce cas, je dois me dépêcher de m'en aller. D'accord. Ok, je vais prendre une douche et un petit déjeuner après. Je t'appellerai un peu plus tard. D'accord, on se voit plus tard. À plus, mon frère, on s'appelle. Ouais. Ok, mec. Mec, tu ferais mieux de prier pour que tu puisses survivre. Parce que ce problème est plus fort que moi. Ça peut tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Quelles sont ces conneries que tu racontes, hein? Tu devrais te méfier, hein? Comment cet idiot a-t-il pu poser ses yeux sur ma meuf? Hein? Comment a-t-il pu poser ses yeux sur cette fille? Et pourtant, il y a plein d'autres filles dans cette ville. Mais il a choisi ma petite amie, hein? Écoute, il mérite ce qui lui est arrivé. Et si je le revois encore, hein? Si je le revois encore auprès de ma petite amie, hein? Je lui ferai encore pire que ce qui lui est arrivé. C'est un idiot. Comment toi tu peux dire ça? Hein? Tu es vraiment un insensé. Cette même fille pourrait bien te laisser pour un autre homme. Je vais t'avertir, hein? Tu ferais mieux de te ressaisir, réfléchir à deux fois. Réfléchis à deux fois avant de sortir des énormités. Écoute-moi bien. Pardon, dégage. Écoute-moi bien, je vais t'avertir. Ne viens plus jamais chez moi me crier dessus. Dégage, free boy. Tu ne peux pas me menacer. Je vois que vous êtes tous pareils. Vous laissez avec les copines des autres. Vous êtes tous pareils pour courir après les copines des autres. Tu sais quoi, hein? Je te ferai la peau. Je te connais très bien. Tu verras. Comment que quelqu'un peut-il s'intéresser à la copine d'une autre personne? C'est quoi ça? Non, hein? Bonjour, madame. Bonjour, Bobby. As-tu terminé?
Oui, madame, voici les documents. Qu'en est-il des autres documents? C'est presque terminé. J'attends que les comptables aient fini de faire les comptes. D'accord. Bon travail. Merci, madame. D'accord. Es-tu sérieux? Mais bien sûr, Corey. Actuellement, c'est de me faire complètement perdu la tête. Quel que soit ce que je lui demande, elle me le donne. Wow. Tu sais, normalement, tu devrais être celui qui dépense de l'argent, et non celui qui reçoit. Non, c'est là où tu te trompes. C'était avant. Les règles ont changé. De nos jours, c'est important d'utiliser son cerveau. Apprendre, consommer... En d'autres termes, de nos jours, nous ne travaillons pas dur, mais nous travaillons intelligemment. Tu comprends mieux maintenant, on travaille intelligemment au lieu de travailler dur. Je t'assure. Ton école de sagesse. C'est exactement ça. Plus durement tu travailles, plus facilement tu t'en sors. Mais il y a des charmeurs qui font juste... Voilà. Et voilà, le tour est joué. Et il y a ce dicton qui dit... La métaphysique... Bonjour, mon amour. Mon bébé, comment tu vas? Bonjour. Oh, bonjour. Sois je vais bien. Prends place, bébé. Prends place. Viens. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec mon amour. Tu m'as manqué. Bah, au fait, il n'a pas fait les présentations. Oh, excusez-moi. Voilà ma meilleure amie Lovette. Lui, c'est mon mec. Ouais. Et voilà son ami Bobby. Lovette, comment tu vas? Alors, tu m'as tellement... Alors, on est... Ne perdons pas plus de temps. Qu'on apporte les bosses. Hey, serveuse! Barman! J'espère. Ouais. Tu as l'aise, hein? Bobby, quoi de neuf? Comment tu vas? Vu la tête que tu fais, j'espère. Je ne comprends pas. Je croyais qu'il était en phase de guérison. Je me disais aussi. Écoute, mec, si j'étais tout au quartier pour un moment. Sérieusement. Mais je ne l'ai pas tué. L'histoire n'est plus la même maintenant. Écoute, je vais te donner un conseil et tu devrais l'écouter. Hein, s'il te plaît. Quitte cet endroit le temps que tout se tasse. Pardon. Dans toutes les ruelles, les jeunes font qu'en parler, en parler de cette histoire. Enfuis-toi. Vas-y, enfuis-toi. Hein? En tout cas, à plus, mec. Tu vois, c'est exactement ce que j'essaie de te dire. Parfois, cette vie met sur ton chemin des personnes. Elles ne semblent pas être là, mais il suffit d'un claquement de doigts et tout commence à changer. Okay. Comme quelqu'un... Il y a ce moment où la brise souffle et tu commences à t'interroger tout seul. Et à ce moment-là, tu commences à ressentir comme des... Oh, et tout finit par s'arranger. Je n'y crois pas, c'est drôle. Bien sûr que oui. Mes amis. Oh, ce n'est pas mauvais. C'est plutôt quelque chose de bien. Bien. Alors, chérie, j'espère que vous vous amusez. Bien sûr que oui. Exactement. Ouais, juste en regardant leur visage, je peux affirmer qu'elles passent un bon moment. Mais j'étais justement en train de regarder le pourcentage d'alcool parce que je pense qu'elles commencent à délirer. Parce que depuis, tu ne fais que regarder ces directions. Je vais bien. T'es sûr. Ah, ok, on va.
Et ma copine? Elle va bien, elle va très bien. Es-tu sûr qu'elle va bien? Elle va bien. Nous allons bien. Elle va bien. On va bien. Ouais, nous allons bien. Tu vas bien? Je vais bien. Tu vas bien. Elle a raison. En fait, elle lorsque je la regarde bien. Avec ses longs cheveux et ce nez, elle me fait penser à une pizza au pepperoni. Oh, oh. Bobby, as-tu faim? Hein? Bobby, as-tu faim? Un autre genre de famille. Oh, non, 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 n'essaye pas. N'essaye pas. Le mec veut manger de la pizza. Mais je crois qu'il veut une autre forme de pizza. Il ferait mieux d'aller chercher cette pizza ailleurs. T'es chanceuse, très chanceuse, c'est un mec bien. Très chanceuse. J'avoue. Je le sais, oh, pardon. Mais... Vas-y doucement. J'ai vu comment tu le regardais. Tu ne faisais que le toucher et tu riais tout le temps. T'es rusé. Meilleur, il ressemble à un couronne de jupons. Fais attention à toi. J'ai attention à toi, ça, ma chère. Mais je pense que je l'aime bien. Tu l'aimes? Le mec est juste... Wow. Bien sûr. Mais je pense que je l'aime bien. Tu l'aimes? Le mec est juste... Wow. Bien sûr. Tu es tombée amoureuse. À moins de deux secondes. Toi. C'est ta vie après toi. Mais ce mec est vraiment un tombeur. Je t'assure. Oh. Oh. Quelqu'un a des yeux sur mon nouveau crush. Oh, s'il te plaît, je t'en prie, je suis très bien où je suis très bien avec mon crush. J'avais oublié. Je me demande où il est. Je sais. Appelle. Je crois qu'il est là. Ok, c'est lui. Oui. Mm-hmm. Qui est là? Il se fait tard. Qui frappe à ma porte à cette heure? Lovette, hein? Que fais-tu ici? Et comment est-ce que tu m'as trouvée? J'ai perdu les clés de ma maison. Peut-être dans ce restaurant. Et j'ai pris ton numéro chez ton ami. Et j'ai demandé ton adresse. Et pourquoi n'es-tu pas allée chez ton ami? Elle allait garder sa tante malade à l'hôpital. Et je n'ai pu trouver personne pour m'aider à casser la porte alors. J'ai dû joindre ton ami Val.
Bon, c'est bon. Je n'ai pas l'habitude de laisser les gens me rendre visite sans aucune invitation, mais bon, puisque t'es là, c'est bon. Ok. On dirait que ta petite amie est là. Ah. Bref, d'accord, je vais te montrer la chambre où tu vas passer la nuit et moi, je vais dormir sur le canapé. Ah, ça sera très gentil de ta part, merci. Ok. Je te suis? Suis-moi. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Désolé pour mon retard, c'est que j'étais bloqué dans les embouteillages. Ce n'est pas une excuse. Nous devons terminer ce travail. Tout devrait être prêt avant 14 heures. Pas de problème, je me mets immédiatement dessus. D'accord. Quoi de neuf, ma puce? As-tu retrouvé tes clés? Pas du tout. C'est maintenant que le menuisier finit de réparer la porte. Il a même réparé la porte arrière. Oh, vraiment? Je suis désolée. Dis-moi, où as-tu passé la nuit? Devine. Qu'est-ce que ça veut dire? Devine, non. Ah, non, je n'y crois pas. Ce n'est pas vrai. Quoi? Ne me dis pas que tu as dormi chez lui. Je l'ai fait. Même comme il était choqué de me voir. Mais il m'a laissé entrer. Ce mec est viril. Je t'assure. Regarde celle qui parle de virilité. Tu es une bombe. Tu es très drôle. T'as encore plus malin que lui. Tu es vilaine, toi. Ma puce. Je pensais même qu'il allait se lasser. Mais ce mec m'a tenu tête. Et j'aurais dû me voir. S'il te plaît, yo. Peck. Il ne va pas contaminer mon petit ami avec ses idées tordues. C'est ton problème comme ça. Est-ce que ça te regarde? C'est mon problème. Ça te regarde, Carl, au moment venu, ça sera aussi ton problème. Mais un instant, ma puce. Et si sa petite amie le découvrait et qu'il se trouvait dans des ennuis? Elle est malade. Pardon? A-t-elle perdu la tête? Elle veut l'avoir pour elle seule? Ah, ce mec viril, moi, le laisser. Ce n'est pas laissé. Ce n'est pas possible. Tu veux être avec lui? Pardon, laisse-moi. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien du tout à dire.
Allô? On a dit. Combien de fois t'ai-je appelé? Excusez-moi, qui est-ce? Tu pourras toujours continuer à te cacher, mais je te trouverai et j'en finirai avec toi. Même si la police se mêle de cette affaire, sache que je ne vais jamais lâcher. Allô? Allô? Qui est-ce, s'il vous plaît? Allô? Allô? Bobby Lanchi. Valovski. Bobby Lanchi. Valovski. Je te salue. Ah. Je vais bien. Mais à qui appartient ce numéro? C'est ta voix que j'ai entendue. Hein? Ne t'en fais pas, c'est juste mon numéro du bureau. Je t'appelle depuis le bureau. Oh, ok, pas de problème. Alors. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Ok. Ouais, j'ai aussi quelque chose à te dire. Hey! Ah. Mon frère, j'aurais souhaité que nous soyons ensemble, juste pendant quelques minutes. Ok. Oui, je viens de sortir de ce supermarché, près de cet autopont. Alors, pendant que je faisais les courses, mon frère, devine qui est-ce que j'ai vu? Oh. Cette meuf bien formée. Celle qui a des grosses fesses et une très grosse poitrine, tu vois. Mon frère. Brianna? Oui, exactement. Cette meuf qu'on a vue la nuit dernière. T'es sérieux, là? Mon frère, quand j'ai vu cette meuf, j'ai tout fait pour ne rien perdre. Tu vois, tout fait pour avoir son numéro. Mais son mec était derrière comme un garde du corps. Il est sorti de nulle part. Tu sais comment ça se passe. Tu sais que je ne suis pas un coureur de jupons. Je suis ouais, fidèle. Je sais que tu n'es pas un coureur de jupons. Je connais ta situation. Je t'assure, mon frère. J'ai voulu m'approcher d'elle, mais son mec est sorti de nulle part. J'étais étonné. Il était comme un ninja. C'est sa propriété, donc il protège sa propriété. Je t'assure. Mais pas dans cette ville. Bon, bref, mais tu sais, je t'ai dit que j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Lovett a dormi chez moi la nuit dernière. Ouh. Ah! Quoi? Ah ouais, t'en fais pas. Lorsque je te verrai ce soir, je te raconterai toi. Mon frère. Ok, pas de problème. Fixons un rendez-vous. Nous pouvons nous retrouver à notre endroit habituel. Pas de problème, à l'endroit habituel, tu sais bien. Mon frère, d'accord. Bobby Lanchi. Valovski. Pas de problème, on se dit à plus tard, mon frère. D'accord, je te dis à mon ce soir garçon. Alors. Mon hey. Donc ce mec a couché avec Lovett. Ah, mon frère. Je ne comprends plus ces filles. Ah. Hey. Allô, Michael. Léonore. Où es-tu? Ok, dépêche-toi, je t'en prie. Je suis déjà en retard. Je suis placée à l'extérieur à t'attendre. S'il te plaît, dépêche-toi. S'il te plaît, essaie. Ok.
Mec, tu ne vas jamais me croire. Tu es en train de dormir sur le sofa. Et d'un coup, j'ai entendu quelqu'un frapper. J'étais surpris. Qui est-ce qui pourrait me rendre visite à une heure aussi tardive? Bref, j'ai quand même pris le risque. J'y suis allé, j'ai ouvert la porte. Et qui est-ce que je vois devant moi? Lovett placé à ma porte. Vraiment? Oh, mon gars. Ça t'a paru bizarre, n'est-ce pas? Exactement. Même pour un playboy. Tu vois, c'était genre... Ça m'a vraiment pris de court, mais... Ah. J'espère que tu n'as pas bondi sur elle. Mais non. J'espère que tu ne l'as pas fait. Tu me connais, non? En fait, je l'ai d'abord laissé raconter son histoire à propos des clés perdues et tout le reste. Je n'allais pas la chasser. Ça fait beaucoup. Mais tu sais, en fait, tu mérites 3 Boza. Boza. Comment as-tu géré cette situation? Tu me fais peur. Parce que je ne savais pas que tu étais aussi fort. Non, 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 ne dis pas ça. Je ne suis pas un coureur de jupons. Et toi, il n'y a pas si longtemps, t'as failli. Et après, tu as fait certains choix. Et tu vois, en ce qui me concerne, j'ai l'habitude de leur dire ce qu'elles veulent entendre. Une fois que mes mots parviennent à les faire sourire, que j'hypnotise leurs âmes, que les yeux commencent à vibrer, et qu'après nos regards se croisent, bam, c'est le moment d'attaquer. Ok, attends. Je vais décrocher ce... Wow, Rose! Chatsy! Est-ce que c'est une blague? Ah! Chatsy! Ah ah, c'est vraiment toi! Attends, après toutes ces années, tu es toujours aussi belle. Oh, s'il te plaît, mais arrête! Tu es aussi magnifique que le coucher du soleil. Oh, Chatsy, tu ne cesseras jamais de m'amuser. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? Regarde ta coupe de cheveux. Je vais très bien. Prends place. Merci. Serveuse? Monsieur? Que voudrais-tu boire? N'importe quelle boisson. Apporte-nous n'importe quoi. Oh, Chatsy. Quoi? Tu es toujours ravissante. Hé hey mec, ce n'est rien de spécial. Je prends juste soin de moi, tu sais. Alors, dis-moi, est-ce que tu viens pour ta courte? Non, je suis venu pour un voyage d'affaires. Je rentrerai chez moi quand j'aurai terminé. Oh, ok, c'est bien. Comment se porte la famille? Ta famille. La famille? Ta femme. Et tes enfants. Je ne suis pas encore mariée. Je n'y crois pas. Non. Dis-moi que c'est une blague. Comment ça, toi? Chatsy, toi qui avais pourtant tout pour toi? Ou bien quelque chose ne tourne pas rond? Peut-être bien, peut-être pas. Je pourrais juste dire que je n'ai pas été chanceux. En amour. Oh... Qu'en est-il de toi? Eh bien, je me marie le mois prochain. Et mon petit ami vit à l'étranger. Il vit à l'étranger par la grâce de Dieu. Je le rejoindrai le mois prochain. Oh, c'est formidable. Félicitations. Merci. Tu sais... que je ne t'ai pas reconnue avec cette coupe de cheveux. C'est bon. Tu sais, après avoir passé beaucoup de temps en Europe, j'ai dû m'adapter à leur système, à leur style de vie. J'ai commencé à me comporter comme eux, faire comme eux. Comme on le dit souvent, il faut s'adapter à tout style de vie. Je comprends. Okay. C'est très bien. Encore félicitations pour... ton mariage. Merci.
Quoi, quoi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Oh, s'il te plaît. Alors, tu sais, tu es toujours aussi ravissante qu'avant. Oh, Chatty, s'il te plaît. Comme je disais... Que vois-je? Donc, tu es ici. Vulnérable. Mais, qu'est-ce que... C'est là... Comment peux-tu... Comment tu... Quoi? Peux-tu... Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses me poser cette question? Tout se passe dans les yeux. Et après... T'es énervant, t'es en train de... Ne me dis pas ça. Pourquoi est-ce que tu cries? Oh, putain! Oh, merde! Espèce d'idiot. Tu vois? T'es sûr de ça? C'est ça. Mauvais garçon. Bref. Restons sérieux, tu veux. Dis-moi. Donc, voici le terrain. Je vais juste le diviser. Tu te rappelles de ce terrain dont je t'avais parlé? Je vais investir. Dis-moi ce que tu en penses. Je vais le diviser comme ceci et comme ceci. Puis acquérir tout ceci. C'est pas pour mal. Pour que, dans le futur, tu sais, je pourrais me faire de l'argent. C'est cet endroit dont tu me parlais il y a quelque temps. Exactement. C'est ça ici. Intéressant. Cela me semble être un bon endroit pour investir et construire quelque chose. Une Alors, tu vois, maintenant, c'est un peu ça. Mais mec, où est-ce que t'as trouvé ça? Donc c'est tu vois que ça va bien. Il faut absolument Eh bien, madame, je n'ai pas commandé ça. Qui l'a fait? Ce monsieur. Qui? Merci, je vous en prie, Donc, madame. Voilà un peu ce que je prévois faire. Ouais, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu de cette façon. Je t'avais parlé de ce terrain. Tu vois, tu t'en souviens? Bonjour. Bonjour. Ah. Merci. J'ai pensé qu'il était judicieux de venir vous rejoindre puisque vous avez décidé de m'offrir à boire. Merci beaucoup. Bien que je ne l'ai pas demandé, merci. Ah, oh, c'est de ma faute. Vous savez, j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelque chose après cette petite dispute avec votre petite amie. Oh non, vous l'avez remarqué? Ouais, un peu. Mais vous savez comment sont les hommes. Ils aiment dominer, pardon. Et croyez-moi, je ne voulais pas créer de scène. Je l'aurais fait si je le voulais. Mais oublions ça. Waouh! Vous avez géré ça avec tellement de maturité. Honnêtement, c'est impressionnant. Mais je suis désolé, hein. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Robert Onizo, mais vous pouvez m'appeler Bobby. Mais juste là, c'est mon meilleur ami, Valentin Isitché, plus connu sous le nom de... Val. Salut Val, comment vous allez? Et c'est quoi ton nom? Ah, appelez-moi Angela, ça ira. Angela, tu dis? Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, Angie, je dois vous avouer, vous avez captivé mon regard la dernière fois lorsque vous étiez avec votre petite amie. J'étais genre, wow, qui est cette fille avec un corps de déesse latino, Jésus-Christ. Ouais. Vous admettez que vous me fixiez? J'étais là, perdu et captivé, en train de vous fixer. Et j'adorais ce que je voyais. Merci. Ouais. Merci. C'est fou, non? Mais je rigole pas.
Mec, ça faisait un bail que je n'avais pas vu une telle beauté dans le coin. T'es top, toi, t'es incroyable. Je ne te crois pas. Mais sérieux, je rigole, mais je t'assure que t'es vraiment belle. Merci. Ouais. Mais honnêtement, je veux être indépendante. Tu vois, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Je ne veux pas être surveillée ou bien être sous l'emprise de qui que ce soit, non. Du moins, c'est ma pensée. Eh bien, je pense sincèrement que personne n'aimerait ce genre de choses. Tous les hommes ne seraient pas d'accord avec ça. Par exemple, si tu souhaites que ta relation aboutisse au mariage, certains hommes voudront que tu sois soumise. T'as tout à fait raison, mais cela ne m'empêche pas d'être qui je veux être. Je ne ferai pas quelque chose si je n'en ai pas envie. Personne ne m'y obligera. C'est pourquoi je suis indépendante. Ça, c'est vrai. Merci, Val. Angie, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression que tu es maître dessus? Hey, je n'ai pas dit cela. Wow. T'as pas tort. Du moment où tu ne parles pas d'être au-dessus de ce que j'imagine. Oui, j'aime être au-dessus, je l'admets, oui, c'est bon. Mais nous devons nous respecter mutuellement, c'est tout. En plus de la tolérance et de la compréhension. Ah, c'est tout trinquant. Trinquant. Tu ne veux pas trinquer. J'étais en train d'imaginer à quoi tu auras l'air. Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on... Avions-nous fait quelque chose? Bien sûr. Comment crois-tu qu'on se soit retrouvé au lit? Je suis vraiment désolé. Ça devait certainement être... l'effet de l'alcool. Je suis vraiment désolé. C'est bon. Nous avons perdu le contrôle. Nous étions sous et c'est arrivé. On aurait pu se séparer cette nuit, mais nous ne l'avons pas fait. Nous sommes là. Nous sommes là. Ne t'en fais pas pour ça. Je m'en veux vraiment à cause de tes projets de mariage. Je ne veux pas que quelque chose soit un obstacle. Oh, je t'en prie. Arrête de t'excuser, hein. C'était un rapport sexuel consenti entre deux adultes. Et en plus de ça, tu ne m'as pas violée, d'accord? Tu ne l'as pas fait. Après tout, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors, disons que c'était le dernier rapport sexuel avant que je ne me marie. Et en plus de ça, j'ai vraiment aimé. Je dois m'en aller. Je dois me dépêcher de rentrer. Je dois aller au travail. Thank you.
Pourquoi a-t-elle utilisé ce numéro? Oui, entrez. Bonsoir, mon cœur. Bonsoir, bébé. Comment tu vas? Je vais tu m'as bien. Manqué. Merci. Je suis vraiment désolé d'avoir été silencieux durant toute la journée. J'étais très, très occupé. Ça ira. Comment bien. Tu vas? Je vais bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci bébé. Joyeux anniversaire à toi, mon cœur. Merci bébé. Je t'ai gardé ceci. C'est juste. Juste pour commencer, tu vois. J'espère que tu vas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh mon Dieu. J'ai cru que tu avais oublié. Mais je sais que c'est impossible. Jamais. Je sais. Jamais, jamais, jamais. Ok, pourquoi ne pas? Ils sont magnifiques. Waouh. Tu les aimes? Bien sûr, je les adore. Ils sont magnifiques. Ok, c'est bien. pourquoi ne pas aller t'habiller pour que je puisse t'emmener dans un très beau endroit? Nous allons fêter. Peut-être. Va juste t'habiller. Ah! C'est une surprise. D'accord, bébé, je reviens tout de suite. Okay. Je reviens tout de suite. D'accord, d'accord. S'il te plaît, mets cette tenue que j'aime bien. Cette robe jaune. Non, bébé, je vais mettre celle que tu m'as achetée. Okay. Pardon. Waouh. Allô, bébé. Allô, chérie. Comment tu vas? Bébé, je vais bien. Et toi? Oui, je vais bien. Il n'y a que le travail qui me stresse énormément. Le fait est que j'ai rencontré des petits problèmes entre-temps. Désolée. Je comprends, chérie. Sois juste prudent, d'accord? Je le ferai. Mon voyage a été reporté à cause de quelques petits problèmes au boulot. Donc, je ne sais plus exactement quand est-ce que je viendrai. C'est bon, ça va, je comprends. Mais j'espère que ça ne va pas m'être long. Je t'embrasse. Je t'aime. Tu sais que je t'aime encore plus. Bye. C'est bien ça. Allez, vas-y. On peut se servir. Ah, allez, pourquoi personne ne boit? Allez, les gars. Allez, tiens ma puce. Ma puce. Bien. Ok, c'est ça. Merci. Super. Merci. Santé à toi, Johanna. Allez, nous allons nous amuser ce soir. Comme des fous. Ne dépose pas ton verre. Ne dépose pas ton verre. Nous allons trinquer. Ouais, ok. Je vais dire un mot. C'est à moi de le faire. Non, non, non. C'est ton anniversaire qu'on est en train de célébrer. Donc je pense que c'est à lui de porter un toast. En effet. D'accord. Très bien. Alors, ces belles demoiselles et ce bel homme si présent. Sous notre accord, je voudrais que nous trinquons à ma dulcinée. Plein, plein de bonnes choses. Amen. Une longue vie. Amen. Une bénédiction. Amen. Trinquons à sa santé. Merci, bébé. C'est mon anniversaire. Oh, oui. Ma puce. Honnêtement, je croyais que mon petit ami avait oublié mon anniversaire. Mais quelques minutes plus tard, il m'a surprise. Ma puce, c'est un de kiff. Wow. Tous les mecs ne peuvent pas faire ça. Honnêtement, je suis fière de toi, ma puce. Comment peux-tu en être aussi sûre? As-tu connu tous les hommes de la Terre? Je disais juste. J'espère que vous vous amusez. Oui, bien sûr. Amuse-toi, ma puce, ne te fais pas pour lui. Ouais, on se détend, c'est la fête. Ce vêtement te va, ma merveille. Ma puce. Ouais. Un instant, s'il vous plaît. D'accord.
Regarde, bébé. Coucou, les gars. C'est mon anniversaire. Je dois filmer tout ça. Et joyeux anniversaire. J'espère que tu en profites, bébé. Toute la journée pour moi. Tout pour toi, mon amour. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh. Bébé. Non, je suis juste allé envoyer un message à un collègue au bureau. Regarde ça. Oh, ok. Nous allons prendre une photo. Ça marche. Souhaitez-moi joyeux anniversaire. Loki, je t'assure, j'en ai marre. Je suis très confus. Je ne sais plus quoi faire. Hein? J'aurais souhaité que ceci ne soit jamais arrivé. Hein? Imagine-moi agité. Hein? Je suis devenu parano. J'ai peur. Au moindre fait et geste, mon cœur bat. Hein? Que vais-je faire? J'en ai aussi marre. Ils agissent avec tellement de haine, mais je peux t'assurer que c'est aussi mon combat, frère. Cette personne qui me menace, je me demande si tu peux trouver cette personne. Ok, mec, on verra ce qu'on peut faire. Ce mec est vraiment assoiffé de vengeance. De toutes les façons, tout ira bien, calme-toi. S'il appelle encore... Nous irons voir la police. Comment peux-tu dire ça? Comment peut-on aller voir la police alors que j'ai tort dans cette affaire? Hein? Ce mec est mort devant moi. Comment puis-je aller à la police? Hein? Ne parle pas comme si tu ne savais pas comment fonctionne la police de ce pays. Si je présente cette affaire à la justice, je vais me mettre dans les embrouilles. Hey! Loki! Loki a raccroché. Oh, les gars. Oh. Je vous remercie pour cette belle fête. Je t'offre ceci. Tiens. Oh, merci. Profite-en. Je suis heureuse. Je crois qu'on peut pas dire. On peut apporter ceci. Ok. Et ma puce, prends ceci. Merci. On a apporté tout ceci. Dépêchons-nous d'aller à la voiture. Oh, mon Dieu. Ah. Hein? Tu ne décroches pas? T'en fais pas, il s'agit du travail. Laisse tomber. C'est notre moment. Toi et moi, notre moment, tu vois. Donc, tu veux dire que ce sont les affaires? C'est le travail. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ah, d'accord. Je te fais confiance. Je sais pourquoi que tu m'aimes. Pourquoi ne devrais-tu pas me faire confiance? Eh bien, pourquoi tu me demandes cela? Oh, bébé. Oh, arrête. Tu me fais rire. Ton téléphone sonne. Quoi, mon téléphone? Mm-hmm. Je vais le mettre sous silencieux pour que nous puissions profiter de cet instant ensemble. Vraiment? Hein? Quoi? C'est le travail. Allô, qui est-ce? Bobby, comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi? Désolé, je ne comprends pas. À qui exactement ai-je l'honneur?
C'est Cynthia. Tu ne te souviens pas de moi? Désolé. Je ne te connais pas, désolé. Je suis en retard, à plus tard. Et dire que toi... Va voir un prêtre, non. Va voir un thérapeute, non. Tu peux aller te faire foutre. Idiote, va. Tu veux juste m'embêter. Lucky Luciano. Comment vas-tu? Lucky Luciano. Quoi de neuf? Ça fait un bail. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, ah. Tu travailles de ce côté? Ouais, ici. Wow, c'est ici wow, que wow, je travaille. Wow. Tu as l'œil. Vraiment? Je ne suis pas très loin, juste là derrière. Dans ce quartier? Oui, juste par là, derrière. Ah. Ce n'est pas loin. Pas de souci alors. Dans ce cas, on va rester en contact, hein. On se verra pour deux ou trois trucs. Pas de problème, pas de problème. On le fera, je suis là. Ouais. Je suis là. En passant, où éditer? Ah, il est don de Saldra. Mais t'en fais pas, on en parlera. Je vais tout te raconter. Pas de souci, on en reparlera. Pas de souci, pas de souci. À plus tard. À plus, vieux frère. On se reverra. Bobo. Lucky Luciano. Quelle surprise, Rose. J'étais. Eh bien, je t'ai vu entrer et j'ai décidé de venir te rejoindre. J'espère que je n'interromps rien. Pas du tout, pas du tout. Rose. Quoi? Tu es aussi magnifique et j'espère que tu le resteras pour toujours. J'étais, arrête de me faire rougir, s'il te plaît. Alors, je... J'espère que tout se terminera sans aucun incident. Chité, honnêtement, je n'en sais rien. Je l'espère aussi. Je l'espère. Mais tu n'as jamais été un coureur de jupons avec moi. Oui, je... Je l'avais essayé une fois quand j'étais étudiant. Ça ne s'est pas bien passé, alors ça... Ça ne m'intéresse plus. Plus du tout. Alors, tu en as encore pour combien de temps? Je quitterai la ville quand j'aurai terminé mes affaires. Pourquoi est-ce que tu demandes? Je... Je voudrais passer une autre nuit avec toi. Encore. Ah. Nous n'allons plus jamais passer des nuits ensemble. De plus, tu te marieras bientôt. Ou... Bien, quelque chose a mal tourné? Non. Non, il n'y a rien. Je vais toujours me marier. C'est juste que je me suis souvenue de cette nuit. C'est comme si c'était hier. Mes souvenirs sont encore récents. Mes souvenirs sont encore récents. Et je voudrais revivre ça. J'en veux... Encore. C'est déjà inconcevable que j'ai couché avec lui après qu'on se soit rencontrés. Et maintenant, il ne se souvient pas de moi.
Et qui est cette foutue pétasse qui avait son téléphone? Sa nouvelle petite amie? Ou alors une autre proie? Je veux dire, une autre proie qui se fera dévorer. Les hommes. Non. Ce mec ne s'en sortira pas cette fois-ci. Aucun homme ne pourra briser mon cœur et s'en sortir aussi facilement. Un instant, Lucky. Je ne comprends pas un truc. Que voulais-tu dire concernant Dité? Bobby, il est vraiment dans de beaux draps. Dité est impliqué dans une histoire de bagarre. Au niveau... Rest et lui ont eu un malentendu. Ah. Est-ce une nouvelle? Et avant même d'en discuter, ils se sont copieusement battus. Pour finir, Dité l'a suivi. Quand Rest est allé sur la route, une voiture est venue et l'a percuté. Hey, wow. Hey. Mec, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que ce mec a fini par mourir. Ah. Hey, ouais. Hey. Le mec est décédé. Il est mort. Sur le champ. Hey! Et à l'instant où je vous parle, sa famille ne veut pas lâcher l'affaire. Tchaï! J'étais vraiment merdé. Et où se trouve-t-il actuellement? Je lui ai dit de s'enfuir, le temps que tout se tasse. Oui, le temps que tout revienne au calme. C'était le mieux pour lui. Hey! Et Dité est un bon garçon. Il ne mérite pas ceci. Écoute, Walowski, le réel problème est que... Dité ne s'amuse pas. Sais-tu ce qu'il est capable de faire? Il pourrait payer toute cette famille pour qu'ils se taisent tous. Très simple. C'est du gâteau pour lui. Mon frère. J'espère que cette affaire passera. Mon frère, ceci, c'est le double des problèmes pour un corps mort. Sérieusement? Ce n'est pas une blague. Récemment, il m'a dit que quelqu'un... l'avait menacé. Mais... je ne sais pas qui c'est. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Mon frère, allons-y. Il s'agit d'une affaire de meurtre. Hein? Bien, ça ne sera pas facile. Très bien, alors. Ça ne sera pas facile. Je vais aller vous déposer. Ok, allons-y. Il s'est vraiment mis dans le pétrin. Oui. Écoute, c'est toi qui te préoccupes de ce problème. Il peut régler ça, je te dis. Je ne veux plus entendre ça. Hey, Bobby. Comment tu vas? Quoi de neuf? Meuf. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je sortais de ce restaurant, une femme m'a approchée. Tu aurais dû voir comment elle criait. Que je laisse son petit ami tranquille. Que je laisse son petit ami tranquille. Petit ami? Je te dis. Quel petit ami? Et quand je lui ai demandé qui était son petit ami, elle m'a dit que c'est Bobby. Bobby? Mon Bobby. Juste comme ça? Juste comme ça. C'est terrible. Alors, qu'as-tu fait? C'est quoi cette question?
Comment as-tu réagi quand elle t'a demandé de laisser son petit ami? As-tu riposté? Ne l'as-tu pas dit à qui elle appartenait? Je t'en prie. Est-ce que tu n'as rien fait du tout? Pardon. Cette fille en particulier, elle n'est pas normale. Elle n'a plus tous ses sens. Je pensais même que c'était un truc important. Un instant, ma puce. Donc tu as fui à cause d'elle? J'ai fui. J'aurais dû me voir. Es-tu sérieuse? Dieu, cette fille. Mais attends, ma puce. Et si c'est que cette même fille était plutôt son ex-petite amie et qu'elle voudrait le reconquérir? Tu sais comment se comporte une femme quand elle veut reconquérir son ex? Elle se querelle avec sa petite amie. Et si elle était son ex? T'as raison. Écoute, meuf, tu as raison. Et si ce mec Bobé est un joueur? Ah, est-ce une nouvelle? Ce n'est vraiment pas surprenant. Ma puce, la plupart des hommes sont des coureurs de jupons. Tu es sérieuse? Même nos arrière-parents le faisaient aussi. Y compris Val. Es-tu folle? Je t'ai posé une question. Attends. Mon Val? Ton Val. Pardon. Nous savons que Val est différente. Jamais ne compare pas mon Val à ce genre d'homme. Jamais. Ah, ma puce, jamais mon Val est différent. Nous savons très bien que mon Val est différent. Ah! Meuf, réveille-toi. Est-ce que tu le suis partout? Non. Est-ce que tu vis avec lui? Non. Est-ce que tu as mis des caméras sur son corps? La réponse est toujours non. Meuf, tu ne peux pas manger le caddie d'un homme mort. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu. D'accord, je dois l'admettre. Maintenant, je sais que je ne rêve pas. Pourquoi? D'une boutique à un bar très chic. Hé, hey, Angie, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'on célèbre? Nous ne célébrons rien. Et j'aime quand tu m'appelles Angie. Ça a vraiment l'air romantique, tu sais. Ben, mm-hmm. Bien, content que t'aimes ça. Oui. Ben, comment va ton fiancé? Il est parti en voyage d'affaires. Oublions d'abord ça, ok? Il s'agit de nous. Alors, qu'est-ce que tu voudrais boire? Je boirai tout ce que tu voudras bien. Entends-toi parler, qu'est-ce que ça veut dire? Passe ta commande, qu'est-ce que tu voudrais boire? Ok, disons qu'il y a bien ce vin que je voulais goûter. Ne t'en fais pas, je vais passer la commande. Ok, c'est comme tu veux le faire, mais je suis sûr que tu ne l'as pas. Serveuse qui est là, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Si je te laisse, tu commanderas une cuvette. Mais c'est pas ça. Laisse-moi commander. S'il vous plaît, qui est là? Venez. Bébé. Oh, bonsoir bébé. Hey. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air soucieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas bien. Quoi? Bébé. Puis-je te poser une question? Bien sûr, je suis tout ouïe. S'il te plaît, j'ai besoin de réponses. Ok. Est-ce que tu vois d'autres filles? Je veux dire, es-tu en couple avec quelqu'une d'autre? Quoi? Pardon? Et d'où te vient cette question? Je ne sais pas. Une fille a voulu se battre avec Lovett en lui disant de ne plus se rapprocher de Bobby. On dirait que Bobby est en courant de jupons et tu es son ami. Alors, juste parce que ton ami t'a parlé de quelque chose qui ne te regarde pas, tu as décidé de le retourner contre moi. Pourquoi? Non, bébé, c'est juste qu'il est ton ami. Tu devrais connaître ses faits et gestes. Tu devrais connaître ses histoires. Et je suis vraiment déçu par toi. N'essaye plus jamais de juger un livre par sa couverture. Attends, écoute, la bébé. Ferme. Écoute, je bébé. Bébé, bébé, bébé. Bébé. Mais, bébé, désolée.
Ok, Andy, je dois l'admettre, je passe un bon moment avec quelqu'un que je ne m'attendais même pas. Et tu es assise là. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Je veux dire, ainsi est la vie. Les choses qu'on n'avait pas prévues arrivent. Ces choses arrivent, alors arrête de dire de telles choses. Ouais. Et je suppose que c'est pour cela que tu vis ta vie comme tu l'entends. Ouais. En fait, tu me fais penser à... Qui? Un certain président. Quel président? Non. Oublie ça. T'en fais pas pour ça, oublie ça. Mais je m'en fous des gens, tu sais. Je ne veux pas être forcée à faire ce que je ne veux pas. Si je ne le veux pas, ça veut dire que je ne le veux pas. Si je le fais, c'est que je le veux. Et c'est tout. Ok. C'est exactement pourquoi tu fais les choses comme tu le devrais. Ah, et tu considères l'impact qu'elles peuvent avoir à long terme. On dirait que t'es dans ma tête. Tu sais à quoi je pense. Je commence à t'apprécier. Tu comprends bien, ouais. Cool. Tu m'as plu dès le premier jour que je t'ai vu, mais je ne voulais pas que tu le saches. Hé, hey, donc c'est ça ce point. T'avais du béguin pour moi depuis le premier jour. Alors pourquoi n'as-tu pas fait le premier pas? Tu savais que j'étais avec un homme. Oh, bien sûr, j'attendais juste une occasion. Tu étais tellement ravissante avec de très belles formes. Le gars ressemblait à un militaire dont moi je ne voulais aucun problème. Non, mais t'aurais dû venir. Ouais, non, je ne voulais pas servir de cible à quelqu'un, non. Mais non, nous sommes là, n'est-ce pas? C'est fort pour te battre pour la femme que t'aimais, c'est ça? Non, j'étais prêt à le faire, mais le problème est que si je choisissais de combattre, cela aurait pu créer un scandale, alors non. Ma puce, je n'en peux plus, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai posé toutes ces questions. Je suis désespérée. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as débordé les limites. Notre conversation était basée sur cette fille inconnue. Tu as complètement retourné la situation. T'as merdé. Je le sais. Je te dis que j'ai merdé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne l'avais jamais vu autant énervé. Je ne sais pas quoi faire. Ce problème est plus fort que moi. Je suis désespérée. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu suggères? Rabats sa fierté et excuse-toi. Tu devrais avoir de l'argent pour lui acheter quelque chose. Et ensuite, passer la nuit avec lui. Tu vois ce genre de choses, non? Comment tu peux dire que je n'ai pas d'argent? Comment tu peux dire cela? Pourquoi est-ce que tu me rappelles cela tout le temps? Calme-toi. Bien sûr que... Calme-toi. Non, je suis timide de faire ce genre de choses. Ok, je vais essayer de l'appeler. Et s'il ne répond pas, je lui enverrai un message. S'il ne répond pas, j'irai chez lui. Car je ne veux pas le perdre juste à cause de ce problème. C'est ça, oh. Ressaisis-toi. Ce genre d'homme est très rare. Fais gaffe. Sois forte. S'il te plaît, reste à côté de ton téléphone. Je t'appellerai si c'est plus fort que moi, pour que tu puisses m'aider à le supplier. Hein? Pour qu'il comprenne que c'est une histoire des filles, que ce n'est rien de sérieux. Je comprends. Où vas-tu? Regarde comment tu es habillée. Oh. Le plus drôle, c'est que ça ne m'a jamais dérangée. Disons juste que c'est la vie. Okay. J'ai grandi avec un père très sévère, très. Tu sais quand un père est... Tu peux t'imaginer alors. Il mettait toujours tout le monde mal à l'aise dans la maison et ma mère ne le vivait pas bien, alors la vie m'a rendue ainsi. Ah, j'imagine très bien ce que tu as pu traverser. Oh. Cette vie peut parfois se montrer très injuste... envers certaines personnes. Mais c'est comment tu réagis qui détermine réellement le résultat final. Je le sais, il y a un dicton qui dit que quand la vie te jette des limons, utilise-les pour faire une limonade. Bref, j'apprécie vraiment ce que je vois. Que veux-tu dire? Absolument tout. Sois plus explicite. J'aime tout. Je sais que si je dis quelque chose, tu vas me dire que tu ne comprends pas. Mais je sais qu'en fait, tu comprends tout ce que j'essaie de dire. As-tu vu ce pied que j'ai posé sur toi? Regarde-le. Et je ne fais que me demander ce que je pourrais faire de ce pied avec cette main. Sérieux. Yeah.
Bébé, pardonne-moi. Non, non, non. Ne fais pas ça. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Je t'ai pardonné. Nous savons tous que personne n'est parfait. Ne doute plus jamais de mon amour pour toi. Je t'aime. Je t'aime plus que tout ce que tu ne peux imaginer. Et tu le sais si bien. Ok? Je t'aime aussi, bébé. Je suis vraiment désolée. Je le sais. Hey, bébé. Wow. Bonjour, bébé. Bonjour. Merci. Viens, viens. Ah. Wow, c'est formidable. J'avais justement ceci en tête, mais tu m'as devancé. Vraiment? Tu es intelligente. Je le sais. Je voulais te concocter quelque chose de spécial. Mm-hmm. Alors j'ai décidé de faire ceci. Ok, j'aime ça. Pendant un moment, j'ai cru que tu étais partie. Et ensuite, je t'ai vu entrer ici avec cette surprise. Partie où? J'ai passé une bonne nuit. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je me le demande. D'où se trouve et ici, et non là-bas. Merci pour tout. Je t'en prie, bébé. Wow, c'est très... J'ai fait ça comme tu aimes. Ah bon? Bobby, t'es déjà debout, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'essayais d'envoyer un message très important à l'un de mes collègues. Je dois encore planifier mon emploi de temps. Comment était ta nuit? Mon Dieu! C'était inoubliable, genre... Je suis sans voix, je ne sais pas comment le décrire. Dans cette vie... Aucun homme ne m'a jamais fait atteindre l'orgasme depuis que j'ai commencé. Je me demande, qui es-tu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouf. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. T'es un mauvais garçon. Écoute, tu pourrais détruire un mariage. Cette position que t'as prise, non, tu peux détruire le mariage de quelqu'un. Je crois que c'est parce que j'ai été un Casanova par le passé. Ça remonte quand même à très longtemps. Et en toute honnêteté... Ça faisait un bail que je n'ai pas rencontré une femme comme toi. Les autres étaient vraiment très... très jalouses. Mais toi, tu es...
Tu es un mélange de glace et de feu. Mmh. Ouais. Ouais, je dois l'avouer. Merci pour les compliments. Ouais. Mmh, t'es aussi un joker. Je savais que t'allais dire ça. Peut-être. Oh mon Dieu, je suis si fatiguée. Ah Seigneur, je sais déjà ce que tu veux faire, je sais déjà. Je te connais. Qui êtes-vous? Je ne crois pas vous avoir vu sur mon chantier avant. Non, vous ne m'avez jamais vu. Vous l'avez déjà dit. Je vous avais dit que je viendrais vous chercher quand la police aura tout lâché. Non, je l'avoue. Avant, je n'arrivais pas à le croire. Mais maintenant, c'est le cas. Ouais. On dirait que ce que tu as fait la nuit dernière n'était pas suffisant. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh mon Dieu, tu vas me tuer. Je suis sans voix, j'étais surprise. Quel autre mot vais-je employer? Exactement, tu es surprise, submergée, choquée, ouais, c'est ça. Absolument tout. Si je n'étais pas impliquée dans mes fiançailles, t'aurais tout gâté, je t'assure. Je te l'assure, je te jette des fleurs, je te les jette. Tu sais, comme le rappeur Mac 10 l'a dit dans une chanson, peu importe tout ce qui se passe, la terre continuera toujours de tourner. Il faut toujours savoir où l'on va. Écoute, meuf, mais c'est moi qui mène la danse. Personne m'arrive à la cheville. Je te jette des fleurs au dogo, prends tes fleurs, t'es un mauvais garçon. Je n'ai jamais complimenté quelqu'un comme je venais de le faire avec toi. Seigneur. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Qu'est-ce que nous allons prendre au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu voudrais manger? À terre! Hé! Hey. Levez-vous. Avancez. Allez debout. Doucement. Thank you.
Garde-toi. Cette réconciliation t'a mise de bonne humeur. Ma copine. Je t'en prie, arrête. Je t'assure que ça m'a apaisé le cœur. Ce n'est pas tout, ma puce. Tu y es un amour. Je suis un sucre. Oh, arrête. J'ai tellement hâte. Dieu m'a si on s'est réconcilié. Ma puce, tes conseils ont bien marché. Oh oui, ça a marché. Tu sais quoi? Je t'en dois une. Pardon, laisse ça. Tu me dois toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais t'amener manger du poisson tout de suite. Du poisson? Je t'en prie. Oh mon Dieu, je suis heureuse pour toi. Quoi de neuf? Comment est-ce que ça se passe avec ton petit ami Bobby? Ah, pardon. J'ai décidé de prendre mes distances. Avant que cette fille ne m'arrache la tête. Comment ça? Non, tu ne veux plus te battre pour l'amour? Pardon. Ça t'a dépassé. C'est une sorcière. Elle est bien folle. Pardon. Mais ne manque quand même. Oh, regarde-toi, regardez ma puce. Je suis désolée. Pardon, qu'est-ce que tu as mangé ici? Rien, j'étais en train de faire le ménage. Mais tu peux attendre. Tu pourras aller cuisiner ce que tu veux dans la cuisine. C'est bien. Exactement. Ma... Bien sûr. Ma chérie. S'il te plaît, ouvre déjà la bouteille. Dès que j'ai fini, je viens. Jeune homme. Vous dites que vous n'avez jamais vu ce type auparavant? Non. C'était ma... première fois de le voir. Mais avant ça, j'ai reçu un appel de lui. Mais son numéro ne s'affichait pas sur mon écran. Je vois. Bien, il est déjà sous interrogatoire. J'espère que ce qu'il dira coïncidera avec ce que vous dites. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Nous venons juste de l'opérer. Le bras. Il doit se reposer et être seul. Docteur, je n'ai aucun problème avec ce que vous dites, ok? Mais rassurez-vous qu'il ne s'en aille pas, car nous aurons encore besoin de lui poser des questions, ok? D'accord. Bobby? Bobby, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as abandonné. Pourquoi? Après tout ce qu'on a traversé. Que diable fais-tu ici? Je ne me souviens pas t'avoir invité ici. Alors c'est comme ça que tu me parles maintenant? Écoute, Cynthia, je te parle comme bon me semble. Oui, c'est vrai que nous avons entretenu une relation jusqu'à ce que tu commences à consommer de la drogue. Je me souviens t'avoir dit plusieurs fois d'arrêter, mais tu voulais pas, alors je suis parti. Mais j'ai changé maintenant. S'il te plaît, pouvons-nous reprendre? Non, je ne crois pas. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Hein? Regarde-toi, tu ressembles à de la merde. C'est fini. Oh, ok. Tu m'as tellement manqué. Souviens-toi que j'étais là pour toi quand tu n'avais rien. Et qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? J'étais également là pour toi. J'ai remboursé plusieurs dettes que tu avais contractées sans aucune raison. Bref, Cynthia, je n'ai pas le temps pour tout ça. Tu peux y aller, au revoir, pars. Ok. Je peux voir que tu as pris ta décision. Puis-je au moins avoir un câlin d'adieu? Oh. Thank you.
Infirmière, pourquoi suis-je encore ici? Je voudrais rentrer. Je ne peux rien vous dire. Mais il y a des progrès dans votre phase de guérison. Vous devez être sur surveillance permanente. Et de plus, ce n'est pas tout le monde qui survit à une blessure par balle. Ok? Vous devez vous calmer. Tout ira bien. Je vous apporterai vos médicaments une fois que vous aurez fini de manger. Tout ira bien. Je vous remercie énormément, infirmière. Il n'y a pas de quoi. Reposez-vous, ok? J'arrive tout de suite. Ah, mon Bobby. Bobby Lanchi. Bobby. Ouais, mon pote. Je te salue, mon frère. Ouais, Malofsky. Comment tu vas? Je vais bien, mec. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé, mon frère. C'est un truc tellement faux. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de cette fille droguée avec laquelle j'étais en couple, hein? Ah. Elle s'est ramenée chez moi, oui. En fait, elle voulait qu'on reprenne notre relation et elle a prétendu être venue me saluer. Je lui ai dit non, tu peux t'en aller. Et elle m'a dit, ok, mais puisque je suis là, est-ce que tu peux me donner un câlin de revoir? Mais vois-tu, c'est quelques minutes plus tard que je me suis rendu compte qu'elle m'a volé mon portefeuille avec ma carte bancaire qui contenait 35 000 lingres. Eh hey, ouais. Attends, mec. Cynthia a volé ton portefeuille. Je te jure, frangin. Mon frère, tu dois vraiment chercher à bloquer cette carte bancaire le plus tôt possible. Ouais, j'y ai pensé, donc je suis comme ça en route vers la banque pour bloquer cette carte immédiatement. Pardon. Bloque cette carte. Ces filles sont toutes devenues des arnaqueuses, tu vois. Tu sais. Ok, mon frère. Je ne sais même pas si ma prise. Quand tu auras fini à la banque, rappelle-moi. Ok, pas de soucis. D'accord, mon frère. Ok, je te remercie lorsque j'aurai fini à la banque. À plus tard. À plus tard. La mon salope. Pote. Ah. Donc, en fait... Donc, ces filles sont toutes devenues des voleuses. Au point où elles volent le portefeuille et la carte bancaire de leur mec. Juste pour de l'argent. Mon frère. Dieu merci que je n'utilise pas de portefeuille. Je ne sais même plus où j'ai gardé ma carte bancaire. Moi, je fais des transferts. Je n'ai pas le temps des cartes. Wow, Cynthia. Donc, c'est arrivé à ce point. Je ne savais pas que cette fille était... Excusez-moi, connaissez-vous une femme courte, avec des formes, beaucoup de formes, mais courte, avec un gros fessier? Comment je... cette fille?
ne me souviens plus de son adresse, mais elle s'appelle Cynthia. Ah, désolé, je ne sais vraiment pas de qui vous parlez. Merci, Saïra. Ok, bonne chance. Sharon! Sharon! Oui. Viens! Maintenant, écoute-moi très bien. Okay. Tu vas entrer et dire à cette stupide junkie, ton idiote d'amie Cynthia, de me remettre mon portefeuille. Ok. Parce que si j'entre là-dedans, je vais faire tomber ce bâtiment sur elle. Tu m'as entendu? Oui. Dépêche-toi. Espèce d'idiote. Il ne décroche toujours pas. Je n'arrête pas de l'appeler et... Il ne décroche pas mes appels. Il ne fait jamais ça du tout. Il ne fait jamais vraiment ça. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas mes appels? Ou alors... Il est avec une femme. Et même si c'était le cas, ça ne devrait pas l'empêcher de décrocher l'appel de son ami. Oui, je suis l'une de ses amies. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas mes appels? Je vais encore essayer. Il ne décroche toujours pas. C'est bon. Dis-lui que je ne veux plus jamais la voir de ma vie. Monsieur Ojiti, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur. Bien, il s'avère que votre histoire tient la route et vous avez été innocenté. Merci beaucoup, monsieur. Inspecteur, qu'en est-il du criminel qui l'a tiré dessus? Bien, il est encore au poste de police. Et, monsieur Ojiti, si jamais quelqu'un vous menace, s'il vous plaît, veuillez le signaler à la police, car une menace de mort est un crime puni par la loi, ok? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Prompt rétablissement.
D'accord, inspecteur. Je peux voir que vous vous rétablissez. Merci beaucoup, docteur. Ça va aller, ok? Salut bébé. Comment tu vas bébé? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis combien de temps dure ta relation avec ce Bobby ou peu importe son putain de nom? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe? T'as fouillé mon téléphone? Oui, je l'ai fait. Ton comportement de la nuit dernière m'a paru étrange. Tu sais, je n'arrive pas à croire que nous avions planifié un futur ensemble. Nous gérons un business ensemble. Et tu as eu l'audace de me tromper. Pardon. Monsieur Parfait ou Monsieur Fidèle, Monsieur je sais tout. Monsieur je n'ai jamais rien fait. Toi également, t'as aussi ta part de tort. J'ai appris que t'as une femme et un enfant. Elle vit à Lagos. Oui, je l'ai aussi découvert. Quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'as pas dit? Qu'est-ce que tu caches? Tu sais juste fouiller le téléphone des autres. Quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un me l'a dit avec preuve. Et la blague? J'ai vu une photo de toi. D'une femme. Et un enfant vous tenant la main sur Facebook. Regarde-toi. À faire semblant d'être parfait. Bébé, je n'ai pas... Tu ferais mieux de la fermer. La ferme. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Oh, t'as perdu ta langue? T'es maintenant sourd et muet? Et pourtant, il y a un instant, tu criais. Depuis combien de temps tu lui donnes notre argent du projet? Tout l'argent que nous avions gardé pour un projet précis. Depuis combien de temps tu le lui donnes, Jean? Idiot, t'es assis là, avec ta grosse tête, à m'insulter. Pourtant, t'es pas parfait. Tu sais quoi? J'en ai terminé avec cette connerie que nous appelons relation amoureuse. Idiot. Tu m'insultes et pourtant toi-même t'es pas parfait. Dégage, imbécile. Je descends ta voiture. Pardon. Allô? Oui, qui est-ce? Un cadavre peut-il décrocher à des appels ou répondre à des messages? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais surpris. Quelqu'un est venu dans le chantier sur lequel je travaillais pour me tuer. Oui, j'ai réussi à m'échapper avec une blessure pas mal au bras. D'accord. D'accord. Bonjour. Désolée. Merci. Vraiment désolée. Comment te sens-tu maintenant? Je vais beaucoup mieux.
Je me sens faible, mais je vais beaucoup mieux qu'avant. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Pardonne ma négligence, s'il te plaît. D'accord. Je t'ai apporté à manger. Tu le mangeras plus tard. Oui. Merci beaucoup pour tout. Il n'y a pas de quoi. Comment était le travail aujourd'hui? Le travail va bien, le travail va bien, mais ne parlons pas du travail, parlons plutôt de toi. Je suis vraiment désolée, je n'avais aucune idée. J'ai appelé, mais c'était sans réponse. Je ne savais pas du tout que tu avais failli mourir. Désolée. Je ne veux pas me rappeler de ce qui s'est passé. Je sais que j'irai bien. Bien sûr que oui, d'accord. Oui, je remercie Dieu pour la vie. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Ça t'embêterait si je te tiens compagnie. Tu peux rester. Dans quelques jours, je voudrais discuter de quelque chose avec toi. Je pense que ça peut attendre. Avant toute chose, tu dois te reposer, d'accord? D'accord. Ne t'en fais pas. Rétablis-toi d'abord, ok? Chérie. Oui, bébé. Je voudrais te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu vois cette femme inconnue qui avait averti ton ami? Elle a volé la carte bancaire de mon ami et y a retiré de l'argent. Ce n'est pas vrai. Je te dis la vérité. Mon Dieu, quand est-ce que cela s'est passé? Il y a juste quelques jours. Mais Bobby l'a repris. J'ai entendu qu'elle était une droguée et qu'elle était une psychopathe. Elle est folle, je t'assure. Écoute, ça ne m'étonne pas. C'est pour cela que Bobby l'a quittée. Cette fille. Chérie. Oui, bébé. Je... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a juste cette question que je voudrais te poser. Et je voudrais que tu sois sincère envers moi. Tu me rends nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu m'aimes? Ai-je tout ce que tu recherches? J'ai un nom. Bébé, tu as plus que ce que je recherche, jeune homme. Personne, je dis bien personne, ne peut se comparer à toi. Alors, sache que je t'aime de tout mon être. Ok? Ok. Si Dieu nous le permet, d'ici l'année prochaine, quelque chose se passera. Ouais. Bébé. Je suis sérieux. Oh mon Dieu. Je t'aime, bébé. Je t'aime encore plus. Bob, un instant. Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, mais vous? Je ne suis pas venu te faire du mal. Et je ne mords pas. Ok. Je voudrais juste échanger avec toi. Allons-y. Ok. Tiens.
as terminé, t'en fais pas un instant, je vais t'aider. Merci beaucoup pour ton aide. Je t'en prie. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, je me sens beaucoup mieux. J'ai juste mal au bras. C'est bon. Je pense que il est temps que je parte maintenant. Je viendrai te voir demain matin avant d'aller au travail, ok? D'accord. Appelle-moi quand tu seras chez toi. Ok. Eh bien, je crois que je vais laisser ça ici, juste au cas où tu aurais faim plus tard, d'accord? D'accord. D'accord. Prends soin de toi, ok? Ok. Au revoir. Viens voir un instant. Prends soin de toi, je ok? Je le ferai. Bien. Trinquons. D'accord, monsieur. Tu me rappelles quand j'étais jeune. Beau gosse. Avec toutes les femmes à mes pieds. Je prenais plaisir à la vie. Je vivais comme j'entendais. J'avais beaucoup d'argent. Mais j'ai tout perdu. J'étais un coureur de jupons. En fait, parieur et mauvais investisseur. J'ai passé plus de 20 ans à l'étranger. Et mon père croyait que j'étais mort. Vous connaissiez mon père? Il est mon frère unique. Hein? Même père. Mais de mère différente. Oh. Wow. Alors, quand la vie m'a donné un gros coup, j'ai dû revenir au Nigeria. J'ai monté une affaire. Avec le peu d'argent qui me restait. Mon premier enfant, il a 8 ans de moins que toi. Juste parce que je me suis marié très tard. Après avoir mené une grande vie de débauche. Je ne veux pas que cela t'arrive. En fait, je sais à quel point tu es intelligent. Un jour, tu te retrouveras seul. Et tu voudras que la mort te consume. J'ai contracté plein de maladies. C'est pour cela que je vis comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je sais que c'est vraiment dur d'éviter les femmes quand on est célibataire. Mais tu devras quand même modérer. Oui, tu devras modérer et devenir un homme responsable. Je vous écoute, monsieur. J'ai voulu te confier ce bar pour que tu gères, mais je sais que tu ne résisteras pas à la tentation. Mais si tu mets de côté ton côté Casanova,
je pourrais t'offrir le double. Plus que tout ce que tu gagnes ou tu travailles. Travaille dans l'une de mes entreprises. Ce n'est pas une offre que tu devrais refuser. Car c'est vraiment une bonne offre. Si tu acceptes, tu seras mieux payé. D'accord, monsieur. Je suis heureux de vous avoir rencontré et également très content d'avoir discuté avec vous. Et honnêtement, je vous promets de m'efforcer à changer. Voilà ma carte. Appelle-moi demain soir. Tu n'as surtout pas intérêt à la perdre. Merci, monsieur. Je compte sur toi. Merci, monsieur. Salut Bobby, comment tu vas? Oh, une visite surprise d'aussi bon matin. Tout va bien, j'espère. Tout va bien, tu m'as vraiment manqué. Alors j'ai décidé de prendre mes distances à cause de ton ex-copine psychopathe. Oh, elle n'était pas vraiment ma petite amie, c'était juste... Bref, quoi de neuf pour toi? Je vais bien, je me suis juste arrêtée ici pour prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Ouais, moi aussi, regarde-toi. Oh, dis-moi, c'est vraiment où est-ce gentil. Que tu allais? Très bien, laisse-moi te raccourcir un peu le chemin avant d'aller au bureau. Vraiment? Ok, merci. Comment vas-tu? Bonjour. Je vais bien, bébé, Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir rendu visite. J'étais tellement occupée au bureau. Mais Dieu merci, je suis là, juste pour toi. Allez debout. Merci beaucoup, ma chérie. Il n'y a pas de quoi. J'ai une question. Hmm? Est-ce que tout se passe bien entre toi et... ton fiancé? Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu demandes? Désolée. Ouais. Merci. J'apprécie beaucoup ta compagnie. J'apprécie énormément de passer du temps avec toi. J'ai l'impression que c'est mal le fait que tu sois avec moi tout le temps. Tu devrais plutôt te focaliser sur ta relation, c'est ce que je pense. Et J'ai cette impression et cette conviction
Le fait de culpabiliser. Parce que je couche avec la femme d'un autre homme. Et en conséquence, je suis moralement abattu. Maintenant, je comprends où tu veux en venir. J'apprécie vraiment que tu sois un homme responsable. Toute femme serait heureuse de t'avoir à ses côtés. Mais la vérité, c'est que... Cette relation à distance n'est vraiment pas du tout facile à vivre pour moi. Mais Dieu merci, tu es là avec moi, car je t'ai retrouvée. Sinon, ce serait encore plus stressant pour moi de me sentir toute seule tous les jours. C'est bon. Je comprends parfaitement tout ce que tu veux dire. Tu as dit, je vais te faire une promesse. À chaque fois que tu auras besoin de moi, à chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Merci. De rien. Is it lost? Bobby lash this one, chop that one. Anything way close, you go open the leg. Now them, every one of them. Come be like say now what every day, then they bop this one for you. This kind thing no be how you believe my lumbago give you jara. This one they craze for head. It be like say na call of the give up. Bonjour, Babe. Regarde-toi. Waouh. Regarde-toi. Ravissante avec tout ce qu'il faut là, il faut. Tu peux causer de gros problèmes, toi. Tu vas créer des problèmes. Tu peux le redire encore. Comment tu vas? Bien, tu m'as bloqué. Mais je t'ai appelé et envoyé des messages. Pourquoi est-ce que t'as pas répondu? Moi, je suis désolé pour tout ça. Tu sais, le truc avec le sommeil, la fatigue, j'ai oublié. Désolé, tu m'excuses. T'es malin et tu continues à jouer à Casanova. Je fais plus ça. C'est cool. De toute façon, je voudrais que tu viennes à la maison aujourd'hui, ce soir. Ok, j'aime ça. D'accord, c'est cool. D'accord, je vais t'appeler avant de venir car il faut d'abord que je règle quelques affaires au bureau. De toute façon, je veux que tu devines ce qui va se passer. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu veux m'emmener dans un autre bar chic ou un restaurant? Dis-moi. Je n'ai pas d'argent à dépenser. D'accord, dis-moi. Okay. Alors Andy, c'est-à-dire moi, je vais cuisiner pour toi aujourd'hui. Là, c'est vraiment la meilleure de la journée. Ok, récapitulons. Une grande fille, financièrement indépendante, extrêmement belle. T'es sûre de savoir cuisiner? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête. Je sais cuisiner, ne t'inquiète pas. Tu seras surpris aujourd'hui. Quand j'aurai terminé avec toi. Tu voudras vivre chez moi, tu ne bougeras pas. Ok, cool. Tu sais quoi? Je ne vais rien manger d'autre. Je viendrai affamé pour vider toutes tes marmites. Je rigole pas. Ok, je vais aller faire ce qui m'a amené ici. Vas-y, mais un arrête, petit tour, vas-y. Arrête. Non, ouais, j'adore ce que je vois. À ce soir, ok? À plus tard. Ouais. On verra ça ce soir. Oui, bien sûr, je le sais. Mais là, j'ai déjà fait des arrangements. Oui, nous devons nous voir. Je vous en ferai les détails
plus tard. Oui, vous avez raison. C'est bien de cela dont nous avons besoin. D'accord, d'accord. Every day, you know, be Ramadan, so boy be lunch, no kele go be hamatan. If you spread them wide, I go enter. Don't get it twisted, I'm a player in the center. Bobby got you, Bobby lunch. Anything way close, Bobby open it and lash it. Pretty hard, some faces turn into cactus. Jedi men licking place, even though not cactus. The team be like Wonderland, the head of Captain Underpants. They be hitting it on the ground and claiming that they love you. And they holy, holy, hitting it, licking it, alcoholic. Every day in the bar, give me tender. Love me tender. Is this love? Is it lost? Give me ah, t'es un gourmand, toi. Comment as-tu su que c'était prêt? J'ai un odorat vraiment très puissant. Je sens des odeurs à des kilomètres à la ronde. Comment est-ce que t'as su? Bah oui. Ça a l'air bon. Avec un bon vin. Colle. Déguste ton repas. Meuf, j'ai reçu ton message. Alors, quelle est cette nouvelle que tu veux m'annoncer? Devine quoi? Dis-moi, non? Essaye de deviner. Ok. Es-tu enceinte? Arrête. Non, ce n'est pas ça. Bien. Val a promis de m'épouser. Es-tu sérieuse? Oh mon Dieu! Je suis si heureuse pour toi. Merci. Je suis contente pour toi. Merci, Val. Alors, j'ai fait sa demande? Pas vraiment, mais il a dit qu'il veut passer sa vie avec moi. Eh bien, il n'a pas été vraiment explicite. Je suis heureuse pour toi. Oh mon Dieu! Donc bientôt tu ne seras plus sûre de marcher. Oh. Je ne suis plus sûre de marcher, n'as-tu pas vu? Qui t'a dit que j'étais encore dans la rue? Pourquoi il fait si chaud? C'est normal que tu aies chaud. Trouve-toi un petit ami. Mais t'as dit que je ne sais pas cuisiner. Maintenant tu manges ta nourriture avec la rapidité qu'il a mangé, ça fait 3 ans. Hein? Non. Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai juste posé une question. Mais tu vois, ce somptueux repas a mis fin au débat. Je te l'avais dit, ne jamais juger un livre de par sa couverture. Derrière cette femme jolie et travailleuse, se cache un chef cuistot en moi. Ouais. Ok. Je te crois, sans objection, apporte-en encore. Ok, t'en veux encore? Est-ce que je t'en donne encore? Non. Donne-moi d'abord du vin. D'accord. Tout est bien, mais il faut également que je déguste ce vin. Profites-en car tu m'inviteras à sortir. Tu dois m'inviter pour que je profite de ton argent. Il a le même goût que le Caseriolo del Bia. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas de quoi tu parles. Hey! Bébé, je... Alors, Bob, tu m'as dit que t'as perdu ton portefeuille, alors que s'est-il passé? Une psychopathe avec laquelle j'ai eu à sortir avant a prétendu qu'elle passait par là, mais je savais bien qu'il y avait quelque chose de louche.
Qu'à cela ne tienne, avant que je ne dise quoi que ce soit, elle a subtilement pris mon portefeuille avec mon argent et ma carte. Vraiment ? Non, sérieux. Mais j'ai récupéré mon portefeuille après l'avoir suivi dans une sorte de taudis où elle et ses amis se droguaient. C'est vraiment une psychopathe. Je comprends pourquoi tu l'as quittée. Il faut laisser certaines personnes si elles ne veulent pas changer. Ça me rappelle mon ex, Jésus-Christ. Il ne me faisait pas confiance. Et il me mentait. Ah, un psychopathe, c'est pourquoi je l'ai quittée. Tu sais, j'ai... Tu sais, je ne sais pas pourquoi. Les gens bien sont les moins chanceux en matière de relations. J'aimerais savoir pourquoi. C'est vrai. T'en fais partie. Je ne peux pas me juger moi-même. Toi, dis-moi. Alors, Bob, normalement, je ne fais pas ça, je veux dire. Mais je suis prête à prendre le risque, à donner une chance. Je veux dire, si on se respecte, si on se respecte mutuellement, je suis prête à retomber amoureuse. Oui, vu ce que j'ai traversé avec mon ex, il ne faisait rien de sérieux de ce qu'il m'a dit. C'est ça qui m'a poussée à le quitter. J'ai eu l'impression que quelque chose ne tournait pas en rond et mon instinct ne me trompe jamais. Tu comprends? Alors j'ai préféré préserver mon cœur et je ne veux pas qu'il soit brisé. Tu comprends? Alors je voudrais que tu me rassures. Parce que quand je t'ai rencontrée, je suis tombée amoureuse de ta personnalité. Oh oui, je veux dire, t'as aussi d'autres qualités, mais je ne le dirai pas ici. Je voudrais juste me rassurer que tu sois sincère avec moi. Je ne veux plus avoir mal. D'accord. Solennellement, je promets de ne jamais te faire de mal. Je ne gagnerai rien du tout en faisant cela. Honnêtement, je ne veux pas être un Casanova. Monsieur le Saint, qu'est-ce que tu essaies de me faire? Oh, toi. Ne fais plus ça. Oh, tu me fais peur, Bob. T'as pas complètement tort. Mais sérieusement, sérieusement, pour être honnête, je suis tombé amoureux à l'instant où je t'ai vu. C'est vrai, mais le truc, c'est que je voulais être sûr que ce n'était pas passager, que ce n'était pas juste du désir. Et aussi, j'avais d'autres batailles et combats à livrer avec d'autres personnes. Alors, as-tu terminé avec toutes ces batailles? J'ai gagné la guerre. Ah. Et ça, c'est le plus important de tout. L'empereur, le conquérant, le champion. Ok, cool. Tu sais, chérie, lorsque deux personnes commencent quelque chose de bien et sérieux, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Que veux-tu dire par croiser les doigts? Nous sommes des enfants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trucs d'enfants, tu comprends? Tu comprends? Nous sommes supposés, tu sais, donne-moi ta main. Pacte de sang, tu vois. Non. Pas de pacte de sang, tu sais, je ne suis pas très fan de ces superstitions mensongères. Ensemble pour toujours. Oh. Bam. Gentlemen, licking place, even though not cactus, the team be like Wonderland, you heard of Captain Underpants, they be hitting it underground and claiming that they love you, and they holy holy, hitting it, licking it, alcoholic. Every day in the bar, Benji, ma chérie, la femme qui n'a pas son égal. Andy, je te connais bien, hein. Mais non, ce sont pas des paroles en l'air, hein. Non, honnêtement, j'ai été ravi. C'était cool. Je sais que tu es une femme brillante. Pleine de ressources. Ok, pas de soucis. Je te rappelle plus tard. Merci. Voilà une bonne meuf, hein. Je me demande ce que je faisais avec cette voleuse de carte bancaire. J'y crois pas. C'est drôle comme cette vie est surprenante. Tu rencontres quelqu'un qui te vole, et une autre se charge de te rembourser. Et même le double de ce que tu as perdu. Vraiment. Ah, c'est vraiment incroyable tout ça. It loves,
give me Danta. Papi Danta. Entrez. Bonjour, monsieur. Prenez place. Je vous écoute. Ikena. Demain, tu vas rencontrer mon manager dans l'une des autres compagnies. Oui, monsieur. Tu auras juste à remplir quelques formalités. Tu travailleras avec lui. Je voudrais que tu sois mes yeux. C'est compris, monsieur. Je sais. Et qu'en est-il de l'autre discussion? As-tu trouvé l'heureux élu? Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Dans les prochains jours, je viendrai vous la présenter. Heureux de l'entendre. Sage décision. D'accord, j'espère que tu pourras gérer cette compagnie. Super, marché conclu. D'accord, monsieur. Ok. Ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que tout va bien? Non. Non, rien ne va. Rien du tout ne va chez moi. Je suis finie. J'ai appelé. Prends place. Je venais de recevoir un appel de la petite sœur de mon fiancé. Elle a dit que mon fiancé est en prison pour trafic de drogue. Oh mon Dieu. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis finie. Je suis finie. Mon mariage est annulé. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive plus à réfléchir. Je n'arrive même plus à me concentrer. C'est bon, ça va aller, ok? Calme-toi. Je ne voudrais pas que tu te fasses du mal. Je comprends parfaitement ce que tu ressens maintenant. Ok? Mais ça pourrait être Dieu qui t'évite quelque chose de très dangereux plus tard. Ok? Juste calme-toi. Ok? J'ai aussi eu plein de choses ces derniers mois. Mais je suis resté fort et résistant. Et j'y sais encore. Ok? Je ne veux pas que tu laisses ceci te démoraliser. Tout ira bien. Non. Tu ne comprends pas. Je suis finie. Mon mariage est annulé. Écoute. Garde ceci en tête. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. D'accord? Si jamais tu as besoin d'une épaule sur laquelle pleurer, je serai toujours là pour toi. Toujours. Ok? Ne pleure plus. Ça ira. Allez, calme-toi. Vous savez, tous les deux, vous formez vraiment un très beau couple, honnêtement. Ah. Oui, on le sait. Bonsoir, bienvenue. Ah. Bienvenue. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
joyeux anniversaire. Elle a un an de plus. Elle aura un an de plus. Oh. Elle aura un an de plus. Oh. Hip, elle hip, hip. De... Ouais. Ouais. Hip, hip, hip. Ouais. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Merci oh. beaucoup. Oh, joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire. Merci, mon amour. Joyeux anniversaire. Merci d'être venu. Joyeux anniversaire. Merci, Val. Merci. Joyeux oui, anniversaire. Je vais prendre une fois. Oh, tu es la princesse du jour. Okay. Puisqu'aujourd'hui, nous célébrons ton anniversaire. Ouais, ouais, ouais. Un couteau, s'il vous plaît. Apportez un couteau. Oh. Oh, elle va pleurer. J'ai quelque chose oh, à... Elle est tellement mignonne. Ma puce. Te demander. Et j'en profite comme aujourd'hui est une date importante pour toi. Dis oui. Donc. T'es nerveuse? Oh, arrête. Veux-tu m'épouser? Dis oui. Oui. Dis oui, ma puce. Dis oui. Oui. Tu devrais oui. d'abord te mettre à genoux. Oui. Oh, ma puce. J'ai tant attendu ce jour. Fais ça, là. J'ai tant attendu ce jour. Allez, oui. Vas-y. Ok. À genoux. Oh, Bobby. Oh. D'accord. T'es prête? Oh, ah vas-y, demande-le-moi, demande-le-moi. Veux-tu m'épouser? Oh. Oui, je le veux. Oui. Oh mon Dieu, wow, mon Dieu. Wow, wow, c'est wow. formidable. Oh, les nouveaux mariés. J'en veux aussi, j'en veux aussi, j'en veux aussi. Oh mon Dieu, viens là. Mes félicitations. Wow. Félicitations, ma puce. Ouais. Oh, wow. Tu vois comment ils sont mignons. Regarde-toi. Regarde c'est l'œil. Oh, j'aime ça. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Wow. J'aime ça. C'est beau. Oh. C'est très beau. Oh. Oh. Eh bien, j'ai ma encore puce, un tout petit ta cadeau. Fais voir. C'est une surprise pour vous tous. Oh. En fait, oh. dans cette enveloppe, en fait, j'ai 4 billets d'avion pour se rendre au... Au Burj Khalifa. Non, c'est pas vrai. C'est non, vrai. Non, non, non. Ah c'est formidable. C'est vrai. C'est vrai. Fais-moi voir. Wow. Hey, c'est vrai. Oh mon Dieu. Oh mon oh, Dieu. Dieu. Seigneur Jésus. Mon Dieu. Nous allons voyager. Oui. On voyage. Ah, la plus belle femme. C'est bon. Oh, c'est... Wow. Wow. C'est formidable. La beauté. C'est formidable. Wow. 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 C'est l'une des filles sexy. Les plus sexy de cette ville. Oh, on va venir oui. s'amuser. Oui. Oh, imagine oui. notre fille. Arrête. Oh. Wow. C'est très formidable. Non, tu sais que nous oui, sommes c'est vrai, bébé. Okay. Je vais avoir un petit bouchon, s'il vous plaît. Il nous faut un tire-bouchon. Nous allons couper le gâteau. On doit Santé. Couper le gâteau. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. So Bobby Lanchi, look at Lego Behamatan. If you spread them wide, I go enter. Don't get it twisted, I'm a player in the center.
Bobby got you. Bobby launch it. Anything way close, Bobby open it and lash it. Pretty hard, so our faces turn into cactus. Gentlemen licking place, even though not cactus. The team be like Wonderland, the head of Captain Underpants. They be hitting it underground and claiming that, that they love you. And they holy holy hitting it, licking it, alcoholic. Every day in the bar, give me tender. Love me tender. Is this love, or is it lust? Give me tender, love me tender. Is it love, or is it lust? Bobby lash this one, chop that one. Anything way close, you go open the leg. Now them, every one of them. Come be like say now what every day, then they bop this one for ya. Yeah. This kind thing no be how you believe my lumbago give you jara. This one they craze for head. They be like say na colors they give am shala. She make me speak German. This love thing turn man to hype man. She feeling high, I give am cap man. I give am cap man. She make me speak German. This love thing turn man to hype man. She feeling high, I give am cap man. She make me German. She give me signs.